Salut l'équipe, c'est Jisané. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball Xenoverse 2. Et comme promis, on se retrouve pour une vidéo autour du Beast, la nouvelle transformation issue de Gohan Beast dans le film Dragon Ball Super Super Hero qui a été ajoutée sur le jeu via la dernière mise à jour gratuite et que vous pouvez débloquer en regardant tout simplement la dernière vidéo que je vous ai proposée sur la chaîne. Alors, pour le test de cette nouvelle transformation, je vais vous proposer une série de builds avec tout le temps cette transformation-là, mais dans des builds différents. Et comme vous vous en doutez, pour débuter cette nouvelle série, j'étais obligé de commencer par un build à l'effigie de Gohan Beast. Seul petit souci avec ce build, c'est que les lunettes que je lui ai mis ne partiront pas quand il va se transformer. Donc ça fera un petit peu bizarre, mais bon, c'est pas grave, ça permettra de faire une distinction entre ce build et le vrai Gohan. Du coup, c'est parti, et on va faire un petit rappel du build en général, en commençant par les attributs. Comme on est sur Jisan, mon Saiyan équilibré, on est sur du 125 en santé, super frappe et super kikoa. Rien en ki et en endurance, car on laisse ça pour la Cucubang. Une Cucubang level 6 qui va me donner un plus 5 en santé ki. Un plus 3 en endurance, un léger malus en attaque de base. Un plus 2 en super frappe et un bon gros plus 5 en super kikoa. Bon, c'est loin d'être ma meilleure Cucubang, mais elle fait le taf. Elle fait clairement le taf. Et je rappelle que pour craft des Cucubang similaires aux miennes, deux vidéos sont disponibles sur la chaîne pour vous aider. Pour la super âme, on est parti sur celle de Krillin, pleine puissance super, qui va me permettre d'avoir 10 barres de ki et d'augmenter nettement ma jauge d'endurance. C'est pas mal, c'est vraiment pas mal. Et elle s'obtient dans la quête parallèle 134. Pour les techniques maintenant, j'ai mis que des techniques de Gohan, sauf pour la charge et une des ultis. En première spé, le Masenko logique qu'on obtient dans la leçon numéro 2 de Gohan. Le super vol du dragon de Gohan toujours qu'on obtient dans la quête parallèle 31. La charge explosive évidemment pour récupérer du ki rapidement si besoin et qu'on obtient dans la quête parallèle 134. Et la super onde explosive de Mirai Gohan qu'on obtient dans son initiation également. En ultime maintenant, j'ai mis l'enchaînement furieux de Jiren, histoire d'avoir un enchaînement de coups bien vénère qui collera bien avec la rage de Gohan. À ce moment-là, ce côté bestial, une technique qui va demander beaucoup de ki, mais qui garantit presque un kill à tous les coups. Une superbe technique qu'on obtient dans la quête parallèle 122 et le Makenko Sapo de Piccolo, que Gohan a utilisé comme finish en Beast dans le film, technique qui s'est clairement appropriée et qui va donc super bien sur ce build et que vous pourrez obtenir dans son dernier entraînement. En transformation, le Beast évidemment, le but de cette vidéo est que vous pouvez obtenir en suivant les étapes que j'énumère dans ma précédente vidéo, je vous conseille d'aller la voir si ce n'est pas déjà fait, et l'entaille spirituelle en évasion bien évidemment. Donc voilà pour le build rapide de chez rapide de ce Gohan. Pour aller s'amuser avec cette nouvelle transformation, on va se faire quelques petits combats fun avec les collègues de dispo et on verra ce que ça donne. On va essayer de se transformer un petit peu n'importe comment, voir si c'est rapide ou si on est potentiellement vulnérable, si c'est trop lent et donc éligible au stamina break et tout. On va voir tout ça dans la joie et la bonne humeur. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, un like et un abonnement si ce n'est pas déjà fait pour ne pas louper les prochaines vidéos sur le Beast et le prochain DLC qui ne devrait plus tarder à arriver. Merci et bienvenue à ceux qui le feront. Je vous laisse avec les combats. À la prochaine. Prenez soin de vous. Ciao.